dans la suite des Shaolim, sur le tour de Beit Yosef, sur Siman Samer, on était arrivé à ce qui s'appelle ici Seif Dalet. Il est marqué Vadet Nanim Kiven Libo Yetza, Loshi Kiven Nikrot Kedel Atzet, Mitzvot Keria, Shaare Mitzvot Enzichot Kavan. Mitzvot Enzichot Kavan. Et la Pirouche, Itehila Yakore Le Hagiha, Vekore Haserod Viterot, Kiktivatam, Kiadam Shemagia, Shemedek Nikrot, Alpia Masoret, Vekamar. שאם כיוון נקראות רק קריאתה יצאה, בעל הלכות גדולות, פסק דמין זאת צריך עוד כוונה, צריך שיכוון, לצאת, וכן כתב אדוני אבי הראש זר. ועד אתנן, סקולה סיטה למשנה במסכת ברכות, כי קונסרנו, לקונדיציון כיפר מלת חקיתה, ללכתו לקריאת שמה, את עושה את המצווה, הלא יהיה במחקה, אם כיוון ליבו, סיד הייתה קונסנטרי, סיטה דיר כדי לאינטנציון דוסון קר, הלא יהיה עקיתה. L'oshi kiven nikrot. On ne parle pas ici de nécessairement dire qu'il a eu l'intention de lire kede la tset mitzot keria, afin d'être acquitté de la misa de la lecture du schéma. Sheare, car voilà que mitzot en selichot kavana. Les mitzot, pour être acquittés de leur accomplissement, ne nécessitent pas qu'on en ait l'intention. Et la pirouche. Mais donc l'explication de la Mishnah, mitehila aya kore le hagia. Qu'on parle de quelqu'un qui était à l'origine, au moment où il lisait, en train de lire pour corriger. Vekore haserot viterot, il regardait s'il manquait des lettres, s'il y en avait en trop. Kiktivatam, telles qu'elles étaient écrites. Kadam shemagia, comme quelqu'un qui corrige, et quand il corrige, c'est medagdek likrot, qui est pointilleux de réciter, alpiyam asoret, selon, on va dire, la vocalisation, vekahama. Et la Mishnah, dans un cas pareil, nous dit « Sheim kiven mikrota kriyata » que s'il a eu l'intention de lire comme c'est lu, c'est-à-dire s'il a « lechaven » en hébreu peut vouloir dire aussi s'il a coordonné la lecture avec la manière avec laquelle on doit la lire dans le kriyat shema, « yatsa yisra yotse » autrement dit, ici, le tour amène une première opinion qui explique que dans la Mishnah, on n'a pas besoin de dire qu'il avait l'intention d'être Yotze, mais uniquement l'intention de lire correctement. Baal ilchot gedolot, pasak, mais le Bahag, Baal ilchot gedolot, lui a tranché, te mitzot tzedichot kavana, que les mitzot, pour être acquittés de leur accomplissement, nécessitent une kavana, c'est-à-dire une concentration et une intention. Tzadir sheichaven latzet, et il faut qu'il ait l'intention d'être acquitté. C'est ainsi qu'a écrit mon maître, mon père, le Roshza. Autrement dit, le tour conclut par plusieurs opinions, celle de Bahag, mais aussi celle de son père, le Rosh, pour dire que les mitzvot, c'est les chod kavan. Voyons maintenant les paroles du Beit Yosef. Nous dit le Beit Yosef, Ve'ad etananim kiven libo yatzalo shikiven likrot. Rbenu evi, mishnazu, le'el. Les Inyan de la Chot Enan Me'akerot. Le tour avait amené plus haut cette Mishnah pour fonder et au sujet de ce qui s'appelle Belachot Enan Me'akerot, ça veut dire que les bénédictions n'empêchent pas d'être acquittées. Ve'achshav, mais là-dessus, maintenant, Bale Faresh Adekatani. Il vient expliquer ce qui a marqué « Mkiven libo yatsa »« Ma kavanai zu » Qu'est-ce que ça veut dire ?« Dbigmara amrinan » que dans la Gemara, « Bemet dafiot gimel » nous disons « Shma'mina mitzot selichot kavana » La Gemara, elle suppose qu'on doit apprendre de là-bas qu'il faut une kavana, puisqu'il y a marqué « Mkiven libo yatsa »« Ve'im lav lo yatsa » Vedahe. Et la Gemara, elle rejette en disant « Mkiven libo likrot » Il a eu l'intention de lire « Ve'akakare » Et voici qu'il a lu. Il suffit qu'il ait eu l'intention de lire pour que lorsqu'il a lu, par exemple en étant magia, déjà cela suffise pour être yotze. Puis il a cherché Rashi d'expliquer là-bas, dans l'hypothèse de la Gemara qui est rejetée, Shmart mina mitzvot tzelichot kavana, shi met kaven leshem mitzvah, que la Gemara émettait l'éventualité qu'il faille être mitkaven, avoir l'intention de le faire pour la mitzvah. Vetik chez les rabbins, et ça sera dur à cause de l'opinion de Rabba, de Amar, de Maseret Rosh Hashanah, qui a dit dans Maseret Rosh Hashanah
que Atokea Lashir Yatsa, celui qui fait de la trompette du chauffard, au moment où c'est la possibilité d'être acquitté de la mise de Tkira de chauffard, de l'assemblée du chauffard, que Behemet lui ait dit qu'il serait Yotse. Autrement dit, même dans l'éventualité des parents de la Gemara, le fait d'émettre des hypothèses que de notre Mishnah, on pourrait apprendre qu'il faut avoir la Kavana pour être Yotse, et sinon non, cela sera en opposition avec les paroles de Rabba dans le Maseret Rosh Hashanah. Qui vient d'Ikrot, quand Rashi vient commenter les paroles de la Gemara qui, comme une chute, vient rejeter cette hypothèse, et vient dire qu'il suffit d'avoir eu l'intention de lire uniquement, mais d'être acquitté de l'obligation, on n'exige pas chez Yehemit Kaven qu'il en ait l'intention. Et la Likrot Batora Be'alma, mais uniquement qu'il ait l'intention de lire dans la Torah de manière comme ça, simple. Akakari, et voici qu'il a lu, nous dit Rashi, Abekore Kaasik, voilà qu'on parle d'un cas, de quelqu'un qui était en train de lire, qui était occupé à lire. Tana, c'est de ça qu'il s'occupe le Tana, de la Mishnah. Tana Ve'ate, il enseigne et il nous apporte. Des katane ayakore batorah, car la traduction du texte de cette Mishnah nous dit ayakore batorah. Bekore le agia, il était en train de dire pour corriger, est à sefer, pour corriger le sefer Torah. Il est jbotahout, à savoir s'il y a ou non une faute. Da filu likriya, nami lomit kaven. Alors comment est-il possible d'envisager un cas où il pourrait ne pas être yotse puisqu'il était en train de corriger? Tout simplement. Si il n'avait l'intention que de corriger et même pas de lire au moment où il a lu, alors les marassés, ils ne seraient pas yotse. Autrement dit, Rabotin, on va essayer de résumer. Ce qui est dit ici, c'est que quand quelqu'un, on va dire comme ça, qu'il peut y avoir plusieurs méthodes ou plusieurs habitudes dans la correction. Si la correction l'amène à corriger les lettres, mais sans avoir l'intention de lire formellement le texte pour pouvoir en faire une bonne correction. À ce moment-là, quand bien même aurait-il lu le texte, puisqu'il n'a pas été mis de kaven, il n'a pas eu l'intention de faire une kaliya, une lecture, mais uniquement une correction, alors il ne serait pas yotse. Alors que s'il a l'intention, pour faire la correction, de lire le texte et de le corriger, alors les ma'asés, il en serait yotse d'après cette opinion. Je vais juste donner un exemple de tous les jours qui est un peu plus simple. Quand un professeur, Mavdil al-Ferdinand, doit corriger des copies, parfois il prend le temps de lire toutes les copies, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il devrait faire, mais parfois il cherche les mots-clés qui posent problème. Je n'ai pas d'expérience de sauf-route, mais je suppose qu'il y a une récurrence différente d'erreurs selon les mots, selon les choses qui ont une importance, une grave importance, ou bien une récurrence, ou une moins grande récurrence dans le texte. Il est possible que ce qu'il est écrit ici fasse référence à différentes manières de corriger. Si la manière de corriger, c'est d'avoir lu, et d'avoir eu l'intention de lire pour corriger, lisant, il serait yotse. Si par contre, il n'avait pas l'intention de lire, mais uniquement de corriger, mais au passage, sans avoir l'intention de lire, il lisait les mots, alors il ne serait pas yotse. Marqué, Vatos, Fotletos, Fotamor, Alpirouzé, ils ont été étonnés sur cette explication-là. Vekatvou, ils ont écrit, Nir e Bekore le Agia, qu'il semble qu'on parle de quelqu'un qui corrige, Cheno Kore a Tevot, qui est Khatan, qui ne lit pas du tout les mots comme la loi l'aurait demandé au Bnikoudan et comme la ponctuation l'aurait exigé. Et là, Kirtavam. Mais uniquement comme l'écriture des lettres. Carré, il les lit. Que dès la vin behaselot viterot, et dans l'exclusive intention de vérifier s'il y a des lettres manquantes ou supplémentaires. Que mot, elle était faite, au lieu de dire les totafot, zuzat, pour savoir si c'est hasel mais zuzot. Une kiven libo. Et quand on dit kiven libo, c'est-à-dire qu'il a eu l'intention, lav dafka, il ne faut pas prendre les mots au pied de la lettre. Et là, keloma, mais cela veut dire, likrot kadin,
kinkut datan. C'est-à-dire, lire selon la halakha, selon la ponctuation au keil khatan, et selon la loi. Autrement dit, qu'est-ce qui ferait la différence entre ce qu'on a vu dans Rashi et ici? C'est que dans Rashi, il pourrait sembler que même s'il avait tout lu comme il fallait, mais qu'il n'avait pas l'intention de lire, alors, Behemet, il ne serait pas yotze. Tantôt soit, il dirait, mais non, s'il a tout lu comme il fallait, même s'il n'a pas l'intention de lire, il a lu, sauf que le sauf. Et là, Tosfot vient et dit, non, quand on dit qu'il n'avait pas l'intention de lire, ça veut dire, pas vraiment qu'il n'a pas eu l'intention, c'est que Behemet, il a lu d'une manière qui n'honore pas les klalim de l'alara, parce qu'il n'a pas lu selon les nekudot et selon les halachot. Il a lu selon les lettres. Mais Behemet, ça veut dire que d'après Tosfot, s'il avait lu selon les nekudot et les lettres, le simple fait qu'il veuille lire, même si c'est pour corriger, suffirait déjà pour être acquitté, il n'y aurait aucun cas où il ne serait pas acquitté. Va Rabbeinu Yona, et le Rabbeinu Yona, Piresh, il a expliqué des Korel et Agia que celui qui lit pour corriger, Aïnou, Shayam Agia, on parle d'un cas qui est de quelqu'un qui était en train de corriger. L'habitude d'un correcteur qui compare deux livres en regardant de l'un à l'autre, chez Peramim, parce qu'il y a la théorie de Psukim, que parfois il rappelle, et donc il prononce, les mots et les versets, que Moshezé Gamken Derech Sofer Levatebisfotaim. Comme c'est l'habitude aussi du Sofer, qui prononce par ses lèvres, et étant donné que quelqu'un peut dire Shema Israël, Moshe Bloquet, Moshe Meham, Sheima Yakore Be'inan Zevit Hila, que si Behemet il lisait dans ce cas de figure, Venit Kaven Harkar Kshigia le Parashat Kliat Shema, et que au début il lisait que comme ça, mais qu'en arrivant à Kliat Shema, il a eu l'intention de lire. De lire tous les versets de Kriyat Shema comme la loi, Yatsa Yisri Yotze. Autrement dit, que d'après Rabbeinu Yona Behemet, on parlerait vraiment de quelqu'un qui aurait une intention, on va dire, de faire une lecture, qui change, qu'il était Koreba Torah, Vigyazman Amikela, Kiven, ça veut dire qu'il a changé même de Kivoul. C'est que Behemet, là, il n'est pas juste Koreba Torah, il voulait être Yotze. Verbenu Katav. Ça veut dire quoi? Que le tour dans les mots, regardons ensemble, il dit qu'en réalité, c'est exactement comme le commentaire des Tosfot, puisqu'ils ont dit qu'ils disaient les Totafot, les Totafet. Maintenant rapportons le binon du Rambam, dit le Bet Yosef. Celui qui lisait le Kriyat Shema et qui n'a pas eu l'intention. Dans le premier verset, chez Shema Israël, qui est Shema Israël, lo yatsa yedeh hovato, il ne serait pas acquitté de son obligation. Vehasha, mais pour le reste, im lo kiven libo, s'il n'avait pas eu l'intention, afilu ayakore batora kedarko, omagia et aparashiot aelu, si même il était uniquement en train de lire dans le Sefer comme son habitude, c'est-à-dire sans prendre la précaution qui est relative à la mitzvah, ou bien en train de corriger les parashiyot, Be'onat Kelia, au moment de la Kriya, alors, Yatsa Yisrei Yotze. Ve'u, bien entendu, c'est à la condition, Shekiven Nibo Be'pasuk Rishon, d'avoir eu l'intention dans le premier verset. J'ai déjà expliqué la raison du Rambam dans mon explication sur le livre Ahava, qui est donc les droits de Kriyat Shema, où là-bas il y a le commentaire du Kesef Mishneh sur le Rambam. On a regardé un peu le Kesef Mishneh, qui explique là-bas que l'opinion du Rambam se fonde sur une autre Gemara, qui cite une mémra là-bas, que Rabbi Meir dirait que Behemet,
La kavana, il faut l'avoir sur le premier pasuk, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, de manière, comme une condition sine qua non. Et Behemet, au regard de ça, alors le Rambam pourrait dire que la halakha ou le ma'aseh, puisque la Gemara dit là-bas que Rava a tranché comme Rabbi Meir et que c'est le dernier qui a parlé, qu'il est impossible de penser que même en lisant, mais sans avoir l'intention d'être yotze du premier pasuk, lecture du premier pasuk, on pourrait être acquitté de l'obligation de Kedat Shema. Ubaal et le Baal Ilchot Gdolot, Pasak des Mitzot Sichot Kavana, ce sont les mots du tour, il a tranché que Behemet, il y a besoin d'avoir une intention pour être yotze des Mitzot. Quel Ubaal ? C'est-à-dire, Shitkavel Latset, qu'il faut qu'il ait l'intention d'être acquitté, Be'asiyat Ota Mitzvah, par la réalisation de cette mitzvah. Vezé Shekatav Od, c'est d'ailleurs ce qui est marqué quand le tour a... Pardon. Quand il est marqué. Et en plus, il faut qu'il ait la kavana de Tiotse. Regardons dans les mots du tour quelque chose. Baal, il chod gedolo pasa le mitzot sechot kavana ve tsarich sheichaven la tzet. A priori, on ne comprend pas bien. Pourquoi ? Parce que Baal, il chod gedolo pasa le mitzot sechot kavana, ça veut dire qu'il faut la kavana. Il dit non, ve tsarich sheichaven la tzet. Ici, le Beit Yosef, Kaniré, vient nous expliquer que quand on dit Tserchit Kaven Latset, c'est que ce n'est pas juste je veux être Yotze, c'est que je veux accomplir cette mitzvah et être Yotze par l'accomplissement de cet acte-là. C'est-à-dire qu'il vient, Rol, qu'on va devoir définir, certainement dans la Ramassan, on va réfléchir, combien et qu'est-ce qu'il faut pour être Yotze même quand on veut être Mitkaven. Si par exemple quelqu'un veut être Mitkaven, mais il ne sait pas, il dit moi j'ai de bonnes intentions, je fais les mitzvot. Est-ce que ça suffit ? Je veux faire Retson Hashem ? Ou est-ce que non ? Je veux être Yotze de la mitzvah de Souka. Je veux être Yotze de la mitzvah de... Est-ce qu'il faut singulariser et rendre très particulier la kavana pour l'orienter ? Ou est-ce que l'intention générale, la tzetie des mitzvah, suffirait ? À mon avis, c'est un petit peu à ça que touche Tobit Yosef dans ses... Ma shekata v'chankata v'adoni avisa, ce qui est marqué dans le tour qu'il amène au nom de son père, Père Gimel de Rosh Hashanah, en réalité, cela a été dit dans le troisième chapitre de Rosh Hashanah. Pasak, il a tranché le Rosh, et Alakha Keman de Amar Mitzvot Sechot Kavana. Comme celui qui dit que Bémet les Mitzvot réclament une attention. Mais Siman Tavkouf Petet. Et au Siman, Tavkouf Petet, c'est-à-dire qu'il va parler des lois de Rosh Hashanah, il va aller le Siyata Dishmaya. Seront expliqués avec l'aide d'Hachem, divers poskim kearoch, les divers halkim halav, ceux qui tranchent comme le roche et ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Autrement dit, pouvoir avoir un complément des lois sur mitzot tzichot kavana ou non, il faudrait aussi étudier des halachot concernant la tkira du shofar. Nous avons terminé l'étude du Torah du Beit Yosef sur le siman samech, babrad on a il aorla, avec verbe. Bezant Hashem, dans la suite de Shiraolim, sur Shulchan Aruch et Mishnah Berurah, sur Siman Samech, on est arrivé au Seif Dalet. Yesh Omerim, She'en Mitzvot Tzelichot Kavana. Yesh Omerim, She'en Tzelichot Kavana. Latzev, Ve'asiyat Ota Mitzvah. Ve'chen Alacha. Yesh Omerim, il y en a qui disent, She'en Mitzvot Tzelichot Kavana. Que les Mitzvot n'exigent pas une intention pour être acquittés. Et il y en a qui disent que les mitzvot elles exigent une intention la tzed ve'asiya uta mitzvah pour être acquitté de cette même mitzvah ve'chen alacha, et c'est ainsi que la loi est tranchée, c'est-à-dire que mitzvot tzedichot kavan. Voyons tout d'abord les paroles du Mishnah. Le dit du Mishnah Berurah serif dalet serif katan zayn yesh omer da, sache que de ce qui ressort des décisionnaires, il y a deux intentions quand on parle de la mitzvah. Une intention du cœur qui est attachée à la mitzvah elle-même, c'est-à-dire, je me concentre sur ce que je fais. Veshenit, et une deuxième chose, kavana latzedba. Deuxième chose, ce n'est pas la réalisation de la mitzvah, mais c'est le fait de remplir mon obligation et d'être acquitté par cette action. Daïnou, c'est-à-dire, chez Kavel et Kayem Bezé, Kachel Siva Hashem,
que Béhémet, il a l'intention par cela d'accomplir, par cette action, ce qu'Hachem il a ordonné. Comme le Bah il l'a écrit, Bissimanhet, à l'article du Shulchan Aruch. Alors de quoi parle ce Seif du Shulchan Aruch? C'est-à-dire de quelle Kavana? Est-ce qu'on parle de la Kavana de se concentrer sur ce que l'on fait, ou bien d'avoir l'intention que ce que l'on fait soit quelque chose qui applique et qui me fasse honorer le commandement d'Hachem? Alors, on ne fait pas ici allusion à la concentration du cœur, à se concentrer dans son cœur sur ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire de dire par sa bouche, et ne pas avoir d'intention autre, c'est-à-dire de rester concentré. Comme Béhémet, c'est important quand on lit le Kriyat Shema, quand on fait la Tfila, le Birkat Hamazon, le Kiddush, de penser aux mots que l'on prononce, c'est-à-dire de rester concentré dans l'action. Car cela, d'après tout le monde, réclame a priori comme une obligation la concentration d'être là où on est, c'est-à-dire au moment où on dit, d'être dans l'action qu'on est en train de faire, c'est-à-dire d'avoir l'intention de penser à ce qu'on dit. Ou bdi'evet, et a posteriori, il nous kiven, et que a posteriori, s'il ne l'a pas fait, yatsa, il serait quand même yotsé. Autrement dit, sur la première intention qui s'appelle le fait de donner l'intérêt à ce qu'on est en train de faire, et pas le désintérêt de se disperser à autre chose, ça, tout le monde est d'accord que a priori, il faut avoir cette concentration de l'action qu'on est en train de faire. Et a posteriori, si tu ne l'as pas, tu es quand même yotze. Levat, exception faite, nous passons Kelishan Kriyat Shema. Du premier chapitre, du premier verset de Kriyat Shema, Kishima Isra Shema Kino Shem Echad, ou Birkat Avot Shel Tefila, et la bénédiction Avot, c'est-à-dire Magen Avraham, dans la Amida. Kemo Shem Mevoir, le Kamal, comme on va le voir plus loin. Rak. Mais alors quoi? Si ce n'est chez mes holakim, mais aïnia, il m'a hayam le chavin kodem chez ma tchina mitzvah, la tzeb be'asiyat ota mitzvah. Il existe, au sujet de savoir si l'homme est obligé d'avoir l'intention, avant qu'il commence la mitzvah, de s'acquitter de son obligation par la réalisation de l'action en question, là-dessus il existe une discussion. Et c'est le sujet de notre sérif dans le Shulchan Aruch. Ou le mitzvah mina mufra, mais de toute façon, c'est vrai que pour accomplir une mitzvah choisie, c'est-à-dire une belle mitzvah, kula alma modi de tzadir kavana, tout le monde dira que, Béhémet, il faudra absolument, avant que de commencer une action, se mettre dans la disposition d'esprit, que l'action que je veux faire, non seulement je vais être concentré à la faire, mais qu'elle soit ici l'accomplissement de la volonté d'Hachem. Comme c'est marqué dans les Dali, Rabbi Eliezer ben Tzadok Omer, que Rabbi Eliezer ben Tzadok disait, assez dévalé du chien de parole, réalise les actions au nom, et donc pour glorifier, parole de celui qui donne à les réaliser. Venema, et il est d'autre part dénigré par la parole du Navi Isaïe, le comportement des hommes qui devient, au moment où le prophète vient réprimander le peuple juif, littéralement, et leur crainte pour moi, dit Hachem par le Navi, est devenue une routine de mitzvot, sous-entendu sans avoir l'intention d'accomplir la volonté d'Hachem. Que Moshe Katav Agra, comme le Gaon de Vilna d'ailleurs l'a écrit, Al-Ad Neita Bessimanhet. Sur ce qu'il est marqué dans le Simanhet, Ayn Sham, il faudra regarder là-bas. Autrement dit, les paroles du Mishnah Bura ressort quelque chose de fondamental. Il existe dans l'accomplissement du mitzvah deux kavanot. Une kavana, c'est ce qu'on appelle la non-dispersion, qui fait tellement défaut aujourd'hui. C'est que quand on est en train de faire quelque chose,
C'est normal de se concentrer sur ce que l'on fait. Quand on dit des mots, c'est normal de penser au sens des mots. Et là-dessus, ça n'est pas le sujet de notre halakha, nous dit le Mishnah Brura. Car à ce propos, a priori, il faut avoir l'intention et cette concentration. A posteriori, on serait quand même yotze, exception faite de deux choses. Premier verset de Kriyat Shema et la première bénédiction de la Amida, comme nous l'apprendrons. Le sujet ici, c'est de savoir, est-ce que, pour pouvoir être acquitté d'une mitzvah, il faut préalablement à son accomplissement, avoir l'intention de ce que l'application de cette mitzvah soit pour accomplir ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande et m'ordonne de faire. Là-dessus, il y aurait une discussion dans le Shulchan Aruch. Kamuvan, il va de soi, nous dit le Mishnah Brura, que d'après tous, ça sera une mitzvah choisie si on le fait. Mais l'important, c'est de savoir, est-ce que si on ne le fait pas, alors on pourrait être quand même yotze ou non. Nous dit le Mishnah Brura, shetzelichot kavana, veimlo kiven latzet yede chovato, ba'asiyat ha-mitzvah, d'après cette opinion-là, s'il n'a pas eu l'intention d'être acquitté de son obligation de réaliser la mitzvah, lo yatsa mina Torah. Il ne serait pas yotze d'après la Torah. C'est-à-dire le hazor vela asota, il faudrait recommencer à réaliser cette mitzvah. Va filum ça fait clam qui vient. Et même s'il n'avait seulement qu'un doute à savoir est-ce qu'il a eu la kavana ou pas, im mitzvah de oraita ça fait kal et humra, s'il s'agit d'une mitzvah d'ordre de la Torah, alors, dans le doute, il aura la humra et devra recommencer. Ken katab appelé megadim besimantaf kouf petet. C'est ainsi que le premier Nadim a tranché et a écrit au Siman Tafkouf Petet des lois de Rosh Hashanah. Aïn Sham, il faudra regarder là-bas. Venireli, et il me semble, nous dit le Mishnah Brura, de lo yevarech az al amitzvah, que malgré tout, il ne pourra pas reprononcer à nouveau la bénédiction sur l'accomplissement de cette mitzvah. Les Belav Ari, car en dehors de la considération faite de la mitzvah, si on dit qu'il faut une kavana, et que faut d'abord une kavana, ou même si on a un doute, on a une kavana ou pas, pour une mitzvah de la Torah, on devra recommencer. Il y a plusieurs opinions concernant la bénédiction, que même si Behemet, il n'avait pas eu d'intention la première fois qu'il a fait la mitzvah, que même s'il doit recommencer, il ne devrait pas recommencer la bénédiction. Et donc, a fortiori, quand il s'agit seulement d'un doute. Il y a marqué dans Seir Katantet, l'efikach, pardon, l'atzet. Ça veut dire quoi? Il faut être. Avoir la kavana, l'atzet. Mais maintenant, on comprend les mots l'atzet, ba'asiya. Parce qu'on ne parle pas de la kavana juste, d'être concentré à ce qu'on fait, mais d'être acquitté. L'efikach, c'est pourquoi? Atokalit, l'amed. Celui qui s'entraîne à sonner du shofar. Et, par exemple, celui qui récite le Birkat Hamazon avec des enfants pour les éduquer dans les mitzvot. Et que lui, il avait mangé aussi du pain, et il était haya de Birkat Hamazon. Il était astreint à lire le Birkat Hamazon. Gamken Avratzmo, et qu'il aurait oublié d'avoir la kavana, d'être aussi acquitté de cette lecture qu'il fait pour éduquer les enfants, d'en être acquitté pour lui-même. Vechel qui est Gavna, et tout ce qui ressemble à ces cas-là, Bechola Mitzot Sha'asa Mishum Ezerinyan, pour toute mitzvah qu'il aurait réalisée pour autre chose que la mitzvah elle-même. Lo yatsa yede chovato, il ne serait pas acquitté de son obligation. Ve'ayen betaz, ve'siman taf petet. Il faudrait regarder les paroles du taz. On siman taf petet. Shemuchach midevalav, qu'il est montré de ses paroles, demvalech aymaktani manan, que celui qui fait la bénédiction avec les enfants, comme on l'a dit plus haut, lo yatsa, il ne serait pas acquitté.
Afilu le mande amar mitzot en srichot kavana. Que non seulement d'après celui qui dit qu'il faut la kavana d'être yotze, il serait yotze, mais même d'après celui qui dit qu'il ne faut pas la kavana, il ne serait pas yotze. C'est hindouche. Pourquoi? Car la situation dans laquelle il s'est trouvé de le faire pour enseigner aux enfants, c'est comme si il exprimait une intention de ne pas être acquitté par cette lecture. Autrement dit, il y aurait quelque part ici trois niveaux, c'est ce qui ressort du Mishnah Berurah. Il existe quelqu'un qui a fait la chose pour la mitzvah mais n'a pas eu l'intention. Il y a quelqu'un qui a fait l'action pour autre chose que la mitzvah et il n'en a pas eu l'intention. Et il y a quelqu'un qui a fait la chose pour la mitzvah et qui en a eu l'intention. Il y aurait une différence, et donc une gradation, ou plutôt une dégradation, que même si dans un cas où quelqu'un le fait pour la mitzvah et n'en a pas l'intention, il pourrait être yotze, mais s'il le fait pour autre chose que la mitzvah, alors dans un cas pareil, il ne pourrait pas être yotze avant que d'avoir une intention claire d'être yotze, d'être guidé dans cette action. Nous dit le Mishnah Berurah, « V'une kavanato ba'asiyat ha-mitzvah l'eshum ezeinyan v'gam latzet ba » Si Be'emet, il avait l'intention d'autre chose que la mitzvah, mais aussi l'intention latzet ba yedé mitzvah, d'être acquitté de la mitzvah, yatsa yisri yotze. Autrement dit, que cet enseignant qui va enseigner aux enfants comment on fait le Birkat Hamazon, si au moins il le fait pour ça, il a aussi l'intention d'être yotze, dans un cas pareil, il serait yotze. Aujourd'hui, on va dire Baruch Adonai Olam, Amen.